C'est le jeu Fallout, vous aimez le jeu Fallout, alors cette vidéo elle est faite pour vous. Vous allez voir ici comment on a fabriqué une playroom, une salle de cinéma post-apocalyptique sur le thème de Fallout. Donc bien évidemment je vais vous demander de vous abonner, mais maintenant place au spectacle et je vais vous montrer notre bunker. Donc là, on est dans la cave de Julien. Je vous emmène dans la salle. Donc, il aura un accès direct à sa salle de cinéma et à son bar, en l'occurrence, qui sera juste à l'entrée de la salle de cinéma, directement depuis les pièces de vie, par cet escalier. Je vous emmène dans la salle. On y va. Donc aujourd'hui, c'est la première journée. Donc là, c'est la porte d'entrée de sa playroom. Je vous emmène dans la pièce. Bon, voilà. Donc ici, on est dans la pièce, la playroom. Donc là, vous entendez une résonance incroyable. On va régler tous ces problèmes-là. Il y aura le bar ici avec les meubles et le rack et un frigo juste sur la partie arrière. Un superbe imprimé ici, un plafond noir brillant donc qui sera vraiment un effet miroir. On va gagner littéralement en hauteur, enfin visuellement en hauteur, vous allez voir ça va être magique. Et surtout les murs qui seront peints en bleu sur le thème de Fallout qui est son jeu préféré. Ici Julien va installer une cave à vin. Il y aura une superbe ici une porte vitrée où il pourra voir directement sur sa cave à vin depuis le bar. De l'autre côté la salle de cinéma, on va mettre ici les portes coulissantes. Cette porte-là, on va la démonter, hein. C'est pour cette raison que je l'ai défoncée là. On va condamner cette fenêtre, on va enlever justement les pare-closes pour y mettre du comacel blanc pour occulter totalement la pièce et surtout également y intégrer un extracteur d'air pour ventiler la salle. On va démonter tout ça, démonter également le plafond en BA13 pour vraiment gagner en hauteur parce qu'il y aura une grosse estrade avec deux fauteuils à l'avant et une estrade canapé à l'arrière dans laquelle il va pouvoir se vautrer pour aller un bon petit film. C'est parti, on va commencer les travaux tout de suite. Donc là, on est chez Jean-Michel Marion, qui est notre menuisier. Ça, je vous le répéterai jamais assez. Donc, il nous a défoncé, là, le jeune homme-là, qui est le défonceur professionnel, nous a défoncé tous les habillages qu'on va maintenant coller sur le châssis de la porte. Et on aura, par conséquent, cette excroissance qui va simuler justement des portes de type industriel ou vaisseau spatial, enfin, peu importe. Et on va encore rajouter d'autres pièces d'ailleurs dessus. Je vais vous le montrer tout de suite parce qu'on va maintenant procéder au collage sur le châssis de porte directement. Pouah, magnifique. Donc maintenant, on va fixer les panneaux dessus. Maintenant qu'on les a ajustés. Donc là, on rajoute juste une petite plaque 8 mm qu'on a légèrement biseautée en périphérie pour donner du relief à la porte. Donc ça, ça va être posé comme ça sur les dents pour créer du relief par rapport à cette plaque-là et cette plaque-là. Juste pour avoir un peu de relief supplémentaire. Je les prépare parce que ce n'est pas les mêmes vis. Je passe juste un coup de lime pour vraiment être parfaitement affleurant. Comme ça, le peintre, il aura juste besoin d'apprêter le tout et de peindre. Donc maintenant, on va faire les rainures là. Alors là, je suis en train de faire l'usinage pour la butée qui va permettre de guider la porte en bas parce qu'en haut, il y a un rail. Par contre, en bas, il n'y a pas de rail. Donc on va mettre ça fixé dans le sol au niveau de la moquette. Et là, il faut que je fasse une rainure qui va permettre à la porte de coulisser, tout simplement. Donc là,
On va faire un test. Vous voyez, il n'y a quasiment pas de jeu, donc ça va coulisser. On va mettre un peu de paraffine là-dedans. Nickel. Donc on va charger le tour. Alors c'est des portes acoustiques. Elles sont pleines. C'est-à-dire qu'elles sont totalement en bois. Elles ne sont pas du tout alvéolaires, donc elles sont relativement lourdes. Donc là, on vient de charger toutes les portes avec le défonçage des panneaux qui vont être fixés sur les portes. J'ai pas eu le temps de complètement les fixer parce que je préfère d'abord monter les portes à blanc puis fixer les panneaux dessus. Donc là on va tout de suite chez Julien et rejoindre l'équipe et faire le point avec eux également. On va voir ça en bas là. Là-bas il y a les rainures, hein. C'est ça, hein. Par contre ça s'ouvre comment là? Ah nickel, on pourra mettre un 8 mm là. C'est bon. Parce que 19, je sais pas si ça passe, hein. Ça, il faut le fixer. Bon, Loïc, il sait. Là, c'est affleurant. Là, c'est affleurant. Par contre, là-dessus, il y a les 8 mm qui viennent dessus. J'ai mis un petit transfo pour que vous fassiez le test. Okay. D'accord. Et puis, on va faire roule. Non. Mm-hmm. Là, ça me plaît, ça aussi. Là, ici, on trouvera une solution pour faire une trappe technique, hein. Voilà, comment on fait. Ça me plaît bien. Pas ce que t'en penses. Ouais, bah après, comme dit, hein, je suis dans les 6 cm là, les noirs et les recharges. On puisse continuer après, ouais. Profiler, machin. On va fabriquer le cadre de manière très simple. D'accord, les deux cadres. Oui, donc on laisse la porte en attendant dessus, quoi. Ah, il faudra juste qu'on puisse la décrocher, mais cadre enlevé. Donc on monte le cadre, on démonte le cadre, et là, avec le BA13 ici, on aura la place. Moi, il faut que j'y arrive vraiment. Hein, donc, je vais laisser les rênes à Loïc, qui est. Notre tête pensante aujourd'hui, hein. D'ailleurs ça fume de tous les sens. Oui, ça fume de tous les sens. D'accord. La salle, tous nos panneaux sont posés. Hier, on a déjà tout pré-câblé, tous les câbles sont tirés, donc pour les Atmos. Les arrivées de LED sont prêtes aux quatre coins, au niveau des marches, au niveau des estrades. Tout le câblage de la salle est fait. Là, on a commencé l'isolant. Donc ça, on va finir ça cet après-midi. Donc, ils sont en train de régler cette porte qui est vraiment, qui va être un très beau rendu. Une porte faite sur mesure. Où on est en train de s'amuser à régler au micron. Et une fois que ça se sera réglé, ça va être sympathique. Ah, donc demain, on va pouvoir commencer à attaquer tout ce qui est profilé, muraux, plafond et le traitement acoustique, je pense, pas demain, après-demain. Je pense. Logiquement, vendredi, je pense que toutes les baguettes seront faites et le traitement acoustique de la salle devrait être terminé. Voir peut-être le tissu en fonction de comment on avance, quoi. Mais en général, on fait plutôt la moquette avant le tissu. Donc logiquement, je pense que vendredi, on va se mettre sur la moquette. Et voilà. Avec un peu plus de pêche là.
cas, alors il est 15h10, je viens de voir Jean-Paul. Moi je suis en train de faire le tissu, lui il est en train de faire de la LED, lui il est en train de faire les portes. Le peintre vient vers 17h30, faut qu'on ait posé la moquette d'ici là, et je finis les murs. En même temps qu'on démarre le parleur, donc on a tourné pendant quelques secondes. Oui, ça va, et en même temps on ouvre la porte. C'est ça. Ça, je ne pourrais pas différencier l'aspect du gyrophare. Donc le réglage de la porte est électrique, comme vous pouvez voir, on appuie sur le bouton, ça se ferme. On peut y mettre le bras si on veut. On ne se fait pas coincer le bras, on s'ouvre de nouveau. Mais on peut aussi actionner la porte manuellement. Donc là, je vais appuyer dessus, hop, pour la fermer. Là, si maintenant il n'y a plus d'électricité, ben, on peut quand même ouvrir la porte très facilement en tirant dessus. C'est nickel. Donc il sera jamais coincé dans sa salle. Donc là, on arrive sur une double salle où on a décidé de mettre de la moquette dans les deux pièces. Donc on a un rouleau de 4 mètres pour en gros deux salles qui, elles deux, font 8 mètres de large. Donc on est obligé de faire un raccord. Donc on voulait pas par contre mettre de seuil de porte parce que bon, ça fait pas forcément beau un seuil de porte, c'est pas esthétique. Donc pour faire des raccords, des bons raccords corrects qui ne se voient pas quasiment dans la moquette, le secret c'est de prendre donc le rouleau qui lui est coupé correctement d'origine, qui donc se trouve ici. Celui-là, on est venu le plaquer sur le mur de la pièce et donc on arrive à un joint ici. Donc là maintenant, ce que je fais en fait, c'est que cette partie-là, je vais venir l'entailler. Donc il faut juste, derrière la moquette, on a des petites lignes. C'est assez sympa, on a un petit quadrillage, ce qui nous permet d'être précis justement. Et donc bah, là, je vais suivre mon quadrillage là, je suis à 4 lignes du bord. En fait, ce qui est important, c'est que ce soit surtout pas... il faut jamais couper par l'avant, parce qu'autrement, vous allez couper tous les poils de la moquette. Là, comme on voit ici, la moquette, en fait, sur le côté, elle a plein de poils. Si vous venez couper par l'avant, vous allez lui enlever tout ça, et là, le raccord, il se verra. Alors que là, en fait, il faudra juste entailler gentiment le fond, sans aller chercher les poils, et l'enlever. Donc, je vais vous montrer, hein. Donc là, en fait, on vient entailler gentiment, faut pas se précipiter. Et donc là, en fait, là on peut venir, ce qu'il faut faire de toute façon, hein, c'est on coupe en gros 10 cm et on vérifie à chaque fois. Donc là, comme je dis, j'enlève ma moquette qui elle est coupée par le fabricant, donc elle est coupée nickel, bien droite. Et là, je viens coiffer le poil de l'autre moquette. Et pareil pour celle-là, je viens les laisser se rabattre. Et là, on voit que le blanc est quasiment jointif au sol. Il y a un millimètre entre les deux. Donc là, c'est parfait. Et une fois que je repose, on voit que c'est bien propre. Voilà. Maintenant que j'ai fait ma coupe, je vais replacer ma moquette correctement. Et là, il faut juste chercher. Regardez avec votre doigt sur la jonction, s'il n'y a pas de surépaisseur à des endroits. À la fin, en fait, ce qu'il va donc falloir faire, c'est donc prendre cette moquette, la coupe, celle qui a été coupée, l'enlever, en coller cette partie-là d'abord. Bon, bien sûr, lever l'autre moquette pour ne pas mettre de colle dessus. En coller cette partie-là, celle-là d'abord, la plaquer au sol, la coller, la remettre en place correctement. Et une fois que tout ça sera fait, il suffira de mettre un coup de rouleau en fait. Donc dans le sens-là et dans le sens-là, il va en fait faire... qui va faire mélanger les poils dans la jonction et logiquement on verra quasiment plus la jonction. Je vais laisser la main à Fred qui va s'amuser à encoller tout ça. Là, j'ai le bleu en fait que tu vas mettre sur les murs. Là, j'ai le gris, je suis en train de chercher le gris en fait que je vais mettre sur les portes. Ça sera beaucoup plus. Je vais le faire.
là tu prépares ton fond, tu vois, tu le fais propre de préférence, parce que en fait il faut savoir salir le propre, sinon c'est pas intéressant. Donc hop, tu as bien plein de peinture, bonne charge de peinture. Pas besoin de mettre deux couches, hein, c'est une astuce pour la maison quand Bobonne elle te dit de refaire le plafond. Alors, tu charges à mort. Et là en fait tu te dis bon, qu'est-ce que je peux bien rajouter à ma peinture pour qu'elle soit plus jolie, et là t'as une idée à la con. Donc je balance de la merde dessus, tu vois. Donc je pourris la porte, tu vois, un petit coup. Voilà. Voilà, hein. Ça m'a pas pris la folie. Donc là je fais de la colle. Ah, je fais des taches de colle en fait. Puis là, on va laisser sécher. C'est la même chose. En fait, c'est un produit chimique qu'on appelle Aikid. Et en fait, donc là, tu mélanges la peinture plus la colle, tu obtiens un mastic. Enfin, tu mélanges avec la peinture, puis tu obtiens un mastic de couleur. Sauf que moi, je ne vais pas l'utiliser comme un mastic. Je vais l'utiliser comme une pâte à bois. Donc je vais obtenir une espèce de bouse que je vais travailler, je vais coller sur le truc qui va coller, hein, et je vais la travailler ensuite au pinceau. Voilà. Et ça c'est pratique si tu veux quand tu fais de la peinture des corps, pour les traces de vis des menuisiers. On va, hein, tu mets dedans. J'aime pas me qualifier d'artiste, je me sens pas déjà artiste. Je suis juste un mec barré, voilà, je m'amuse, je m'éclate. Se retrouver avec une porte qui s'ouvre comme ça en appuyant sur un bouton, se croirait dans un film. Et c'est un pur bonheur que de la mettre en peinture, parce que voilà, on va essayer de rendre la même chose que dans un film. Pour que le client il s'y retrouve, quoi. Qu'il se dise voilà. Alors surtout ses potes, hein, parce que je pense qu'il va venir avec des potes maintenant ici, dans la cave. Parce qu'avant je pense qu'il ne ramenait pas les potes dans la cave. Et là maintenant il va ramener les potes dans la cave, et puis avec le petit bar qui va bien avant la séance ou la pré-séance. Et puis ça va faire... Et là ça va être waouh. Vous avez vu toute la construction de la salle, donc moi je suis très très impatient de vous montrer le résultat final. Donc on va vous ramener dans le bunker de Fallout. Je vous emmène tout de suite voir tout ça. Donc on est dans le bunker de Fallout. Je vais refermer la porte qu'on a faite également de manière industrielle. Magnifique, moi j'adore, je suis ultra fan, vraiment ultra fan du boulot qu'on a fait ici, que toute l'équipe a réalisé, c'est juste incroyable. Souhaitait une playroom
Donc effectivement, c'est une playroom que je vais vous montrer tout à l'heure de ce côté-là. Alors, c'est bien évidemment aussi une salle de cinéma. Il peut y regarder des films, mais il peut surtout y jouer avec sa PlayStation 5. Donc ici, de ce côté-là, on lui a fait un sas absolument hallucinant. Donc on a mis un bar. Il y aura ici probablement un baby-foot ou un petit billard. De l'autre côté, on y a mis, je vais vous montrer ça, donc le rack technique avec un petit frigo, le rack technique pour tout le matériel audio-vidéo qui est situé ici. Et bien évidemment, après, il a la possibilité de se rafraîchir, boire un coup entre amis. Et il aura juste à côté également la cave à vin qui va aménager là ces prochains jours. Donc, au niveau design, qu'est-ce qu'on a fait dans cette pièce? Bien évidemment, on a posé de la moquette au sol. On a mis un super plafond. Donc, c'est un plafond, je vais le toucher là. C'est un plafond qui est tendu, un plafond laqué noir, donc qui fait vraiment un effet miroir, qui donne de la hauteur, vraiment de la hauteur. On a vraiment l'impression que la pièce fait 3 mètres de haut. Donc, c'est un effet miroir juste hallucinant en finissant noir laqué. Et du coup, comme la pièce n'était pas très haute, on a décidé de mettre ça. Et je trouve que c'est vraiment du plus bel effet et ça plaît beaucoup à Julien. Bien évidemment, à nous, ça nous plaît aussi énormément. Ici, on a mis un imprimé, donc c'est également acoustique, hein, donc c'est micro-perforé. À l'arrière se situe le molleton, permettant justement d'avoir un minimum de résonance dans cette pièce également, et d'avoir une ambiance sonore très très paisible. Donc on a mis un imprimé sur le thème de Fallout, c'est son jeu préféré, donc on a vraiment mis l'accent là-dessus. Ici, on a mis des étagères en verre, permettant d'y mettre de la déco ou des verres. Donc là, effectivement, une petite déco toujours en lien avec le jeu Fallout. Donc Nuka, effectivement, c'est la boisson qu'on retrouve dans le jeu. Là, en trompe-l'œil, on a mis un superbe tableau électrique avec la signature Meissiné. Et ici, on a le rack technique, le fameux rack technique, donc où se situe la PlayStation 5. Alors bien évidemment, hein, pour les gens qui vont commenter, cette pièce, enfin cette porte reste ouverte quand ils jouent à la PlayStation. Pour que la PlayStation puisse s'aérer correctement. Il y a bien évidemment toujours un extracteur d'air également qui extrait l'air chaud, mais malgré tout, pour la PlayStation 5, ça ne suffit pas. Donc ici, on a un gros ampli intégré, le DRX8.4 de chez Integra. C'est vraiment un très très gros bébé, hein. Il est extrêmement puissant, il décode absolument tous les formats et c'est vraiment une marque que nous, on affectionne tout particulièrement chez Meissiné. Elle est enfin à nouveau distribuée en France. Et donc on a bien évidemment le contrôleur et un Apple TV. Et je crois qu'il a également un décodeur orange permettant justement de regarder la télé également sur son système. Donc ici on a un petit frigo que je vais ouvrir dans lequel on peut mettre quelques boissons pour se rafraîchir. Et bien évidemment après il y a tout un tas de petits rangements en fonction de touche lâche. Bon, tout ça c'est vide pour l'instant, mais il va pouvoir ranger des choses là-dedans sans aucun souci. De ce côté-là également, il a pas mal de rangements et voilà, il pourra recevoir des amis dans de très très bonnes conditions. Chose importante aussi, donc il a mis des displays. Donc je vous rappelle qu'on est partenaire Displate. Je vous mets le lien en bas si vous souhaitez acheter avec une belle petite remise des displays personnalisés même, hein, parce que on va bientôt en proposer dans notre catalogue que vous retrouverez directement sur le site de Displate. Donc des displays ici, là-bas, toujours également sur le thème de Fallout. Donc Julien souhaitait un design vraiment très particulier qui fasse effet bunker. Donc on a imaginé ces portes pour lui. On les a fait donc totalement sur mesure. Vous avez vu chez le menuisier, on a fabriqué, donc défoncé tous ces bois, assemblé ça sur les panneaux de bois directement, enfin sur les portes. Et après, Nico les a totalement personnalisés et le résultat est absolument magistral. Donc là, effectivement, faire attention hein, quand on ouvre la porte, parce qu'on a tendance à se prendre les dents, dans les dents. Et donc du coup, voilà, quand on ferme, le résultat est magnifique. Je vous montre maintenant la salle de cinéma, parce que là, la porte, elle est... Ça, c'est vraiment la pièce maîtresse de cette playroom. Enfin, nous, on a travaillé vraiment d'arrache-pied pour sortir cette porte comme vous la voyez là. Ici, dans ce cas de figure-là, on a imaginé une porte, une double porte coulissante. On a ici un gros bouton poussoir. Donc on a évidemment toujours le même design hein, qui fasse effet bunker de ce côté-là, totalement personnalisé. Hein. Donc Nico l'a vraiment totalement personnalisé avec un effet rouille extrêmement réel, réaliste, extrêmement
Enfin, j'ai pas de mots pour le décrire tellement c'est beau. Enfin, moi, je suis tellement fan de ce qu'on a fait là. On a ici un petit gyrophare qui va se mettre en route lorsqu'on appuie sur le bouton poussoir pour pouvoir ouvrir les portes. On a également installé un petit haut-parleur en haut qui est totalement invisible, qui, lorsque la porte va s'ouvrir, va générer un bruit de vérin, de dépressurisation. Vous allez voir, c'est absolument magnifique. Donc maintenant, vous allez le voir en direct. On va mettre ça en route. Je vais appuyer sur le bouton. Le gyrophare se met en route. Et comme le haut-parleur se met en route que 3 secondes plus tard, la porte s'ouvre 3 secondes plus tard, en même temps que le haut-parleur va générer le bruit. Donc c'est vraiment un effet que je trouve absolument magnifique. Tout ça s'imbrique parfaitement au millimètre. C'est génial. Donc, je vous invite à rentrer dans la pièce, dans la salle de cinéma qui fait office de playroom de Julien. Donc, tout de suite, on y sent l'ambiance totalement différente, une ambiance très, très tamisée. Regardez ce résultat, absolument magistral. Donc on est ici dans une pièce qui fait grosso modo 6 mètres de long par 3,50 mètres de large. On a ici un écran de 3,05 mètres de base de la marque Lumen, qui est un écran transsonore, une toile tissée avec un gain de 1. On a vraiment une image qui est somptueuse. Au niveau du vidéoprojecteur, on a un Sony, un XW5000. On va vous faire la présentation d'ailleurs là dans quelques instants avec Antoine de chez Sony, qui va nous expliquer pourquoi spécifiquement on a choisi ce projecteur là parce qu'il est parfaitement adapté aux jeux vidéo, notamment à la PlayStation 5 de chez Sony également. Au niveau des enceintes, on en a ici, donc c'est un système en 7.2.4, donc on a 3 enceintes Dali des M375 derrière l'écran. On a 2 surround back et 2 surround classiques sur les murs latéraux et arrière, donc ça c'est également des Dali, des H60R. Au niveau du plafond, on a des E60, donc on a 2 Atmos sur la partie avant, 2 Atmos sur la partie arrière. Au niveau des caissons de basse, on a 2 SVS SB9000 et dans ce volume là, ils font le job plus qu'il n'en faut. Ça envoie de tous les côtés. Comme vous l'avez très certainement remarqué, dans toutes nos salles de cinéma maintenant, on met désormais du câble AudioQuest, parce que leurs câbles haut-parleurs sont vraiment de très très grande qualité et qu'on entend vraiment la différence. Au niveau des câbles HDMI aussi, on est passé maintenant sur une gamme supérieure pour vraiment avoir une image et un son le plus qualitatif possible. Et comme le dit très très bien Nicolas de chez AudioQuest, un câble ne va rien rajouter, mais par contre il va nous permettre justement de ne pas perdre de bande passante et de vraiment tirer le meilleur de toutes les enceintes, et ça c'est le plus important. Et c'est exactement la même chose avec le vidéoprojecteur. Quand on met un très très bon câble, ben, il n'y a aucune perte entre la source et le projecteur, et ce qui permet vraiment d'avoir une image de très grande qualité. On va maintenant accueillir Antoine de chez Sony, qui va nous expliquer pourquoi ces projecteurs sont parfaitement adaptés aux jeux vidéo. Je t'invite à t'asseoir. Merci. Dans ce Merci, magnifique bunker. Attends, on est bien assis dans le bunker quand même. Hein, on sent bien, ouais. On est bien là. Non, parce qu'il faut quand même un minimum de confort hein, dans c'est les clair. Bunkers modernes. Hein. Ils ne sont plus en béton maintenant, ils sont en métal et puis en velours. C'est en velours, hein. J'ai vraiment l'impression d'être dans un bunker ou un vaisseau spatial. Quoi. Exactement. Je crois que tu as un petit présent hein, pour Julien. Effectivement. J'ai ramené un petit jeu à Julien. C'est Dying Light 2. Je crois qu'il aime bien les jeux de zombies et les jeux à la première personne. Exactement. Et en plus, il a une petite particularité, c'est qu'on peut jouer en Full HD 120 Hz dessus. 120 FPS. 120 FPS, exactement. Ouais. Je crois que c'est pas la même chose. Hein. C'est pas la même chose, mais on va y revenir. On va y revenir, ouais. Exactement. Effectivement, donc, je vous présente Antoine de chez Sony. Donc, Sony fabrique des vidéoprojecteurs, ça vous le savez tous. Mais là, ils ont sorti donc, 2 modèles, le 5000 et le 7000, donc le XW5000, qu'on a installé ici dans cette salle, qui a une particularité, c'est qu'il est vraiment fait pour les jeux vidéo, hein. Effectivement. Il est parfait pour les jeux vidéo parce qu'il va pouvoir justement intégrer 2 ports HDMI 2.0. Et ces 2 ports HDMI vont pouvoir en fait avoir un input lag de 21 millisecondes
en 4K 60 Hz. D'accord. Et on peut basculer du coup en Full HD 120 Hz pour avoir un input lag de 13 millisecondes. 120 Hz ou 120 120 Hz. Hz, d'accord. Ouais, 120 Hz. Okay. C'est ça. Il y a une nuance à comprendre aussi entre le 120 Hz et le 120 FPS. D'accord. En fait, FPS, ça veut dire frame par seconde. Donc fréquence d'image par seconde. Donc quand on parle de 60 FPS, c'est égal à 60 images par seconde. 120 FPS, 120 images par seconde. D'accord. Ok. Et le 120 Hz, du coup, c'est quoi ? 120 Hz, ça va être le taux de rafraîchissement. D'accord. En fait, ça va indiquer le nombre d'images par seconde que le téléviseur ou le vidéoprojecteur est capable d'afficher. Et par rapport justement à un téléviseur, forcément, il y a une latence qui est un peu plus importante quand même sur le vidéoprojecteur, mais on s'y rapproche en tous les cas. Beaucoup. En fait, on est même sur les mêmes input lag, donc latence, d'accord, que les téléviseurs Bravia, Sony, parce qu'en fait, c'est lié aussi au processeur X1 Ultimate, qui est issu des technologies Bravia, oui, que nos ingénieurs du coup ont optimisé pour la vidéoprojection. Et ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que plus le processeur va être puissant et plus va pouvoir réduire la latence. D'accord. Aussi. Donc aujourd'hui, sur un VPL XW5000, on obtient des latences qui sont similaires à des télés. Donc ça, c'est effectivement très important quand on joue. Alors, dans les films, bien sûr que ça l'est aussi, hein, parce que quand on a des images en traveling et tout, c'est quand même important d'avoir de la fluidité dans l'image. Dans les jeux, c'est encore plus important, et surtout que, ouais, que les jeux de combat, tout ça, c'est quand même quelque chose de... ça peut faire très très vite mal aux yeux quand on n'a pas cette fréquence. Exactement. Donc le joueur, comme Julien, va pouvoir choisir de jouer du coup en mode performance, donc en Full HD 120 Hz ou FPS, ou également du coup en mode graphique en 4K et 60 Hz, d'accord, ou 60 FPS. On va lancer une petite démonstration avec un autre jeu, hein, je crois, qui lui est également en 120 Hz. Donc c'est quoi, God of War ? C'est God of War Ragnarok. On va voir ça. Allez hop. Donc je laisse prendre la manette parce que c'est Sony aussi. Hein. C'est une Sony. Tu connais, c'est une PS5. Voilà. C'est parti alors. Hop. C'est parti. Effectivement, là on voit sur le menu effectivement qu'on est on est bien en 1080p et 120 FPS. Donc 120 images par seconde. Ça veut dire qu'on est en mode performance et qu'on va avoir vraiment une fluidité dans le jeu qui est excellente. C'est vrai qu'on a une fluidité là dans l'image qui est incroyable. Qui est incroyable. Et ça, c'est vraiment important pour vraiment les gamers qui aiment bien jouer à Call of Duty, par exemple, ou les jeux qui demandent vraiment une réactivité parfaite. Et donc, tu vois, là, dès que je touche dans les... C'est super réactif, quoi. Il n'y a pas aucune latence. Et ce que j'adore, c'est jouer aux jeux vidéo sur une grande base d'images comme ça. C'est hyper immersif, quoi. Ouais, complètement. Ah oui, et dans le jeu, quoi. C'est un symbole. Incroyable. On est vraiment dans les meilleures conditions là. On a un écran de 3 mètres de base, c'est ça ? C'est ça. Un projecteur laser compatible 120 FPS et du son Dolby Atmos. Parfait, on y est. On est dans le jeu, on est à côté. On est dans le traîneau là. Ouais, on est avec lui, on est avec Kratos. Et tu me montrais tout à l'heure, il y a également un mode que tu actives. C'est l'input lag reduction. C'est en français le. Réduction du délai d'entrée. D'accord. Effectivement, ça se trouve dans le menu expert du vidéoprojecteur. Et dès que tu l'actives, en fait, ça va désactiver pas mal de paramètres pour réduire la latence. Et c'est vraiment important pour les gamers aujourd'hui d'avoir la meilleure latence possible. C'est clair. Ouais. Ok, alors une petite astuce justement pour activer le 120 FPS sur le vidéoprojecteur. Il faut aller donc dans paramètres de la PS5. On va aller dans données sauvegardées, paramètres de jeu et d'application. Dans pré-réglages des jeux. Et en fait, ici, on va pouvoir choisir le mode que l'on préfère. Mode fréquence d'image, du coup, ça va être justement le 120 FPS. Et le mode résolution, ça va être du coup du 4K en 60 FPS. On est comme face à un téléviseur, ouais, c'est vraiment incroyable. C'est clair. Et là, on est complètement immergé, c'est ça que j'adore dans une Playroom. C'est qu'on a un écran qui est immense, 3 mètres de base, on a du son Dolby Atmos autour de nous. Complètement. Et un projecteur laser. Ouais, complètement. Ouais. Complètement. Et donc cette technologie X1, ça vient du grand frère, je crois, enfin du vaisseau amiral de la marque, hein, qui est le Raptor. Le Raptor. Effectivement, 380. C'était le seul qui avait effectivement cette puce-là, ce processeur très puissant. On l'a décliné du coup sur le XW5000 et sur le XW7000. En tous les cas, le résultat il est extrêmement bluffant. Et moi qui suis pas très joueur, j'ai pas forcément le temps pour ça, mais ça me donne vraiment envie. Ouais, c'est clair. Quand on est série, quand on aura des séries. J'ai l'impression que les jeux vidéo, c'est vraiment devenu
Des films, en fait. Des films, en fait, c'est exactement. Ça. C'est incroyable, la qualité d'image, la fluidité, c'est, ouais. Ça donne vraiment envie de s'y mettre. C'est clair. Peut-être que je vais m'acheter une PS5. Ah oui. Bon, bah Antoine, je te remercie infiniment Merci Jean-Paul. De nous avoir donné toutes ces explications très intéressantes sur ce projecteur de fou, ouais. Hein, que nous, on adore installer. Vraiment. Moi aussi, j'adore. Voilà. Voilà, bah écoute, je te dis à très bientôt. Ouais, hein? À très bientôt. Voilà. Salut. Allez, hop, ciao. Julien souhaitait absolument deux fauteuils pour être confortablement assis lorsqu'il joue. Donc là, il est grosso modo entre 3,20 m et 3,50 m de l'image. Donc un recul qui est relativement court, mais ce qui lui permet vraiment d'être parfaitement calé dans l'image et dans le son. Il est parfaitement enveloppé. L'immersion est absolument magistrale. Et donc, quand il décide de recevoir des amis pour regarder un film dans de bonnes conditions, il peut se vautrer sur le canapé Estrade qui a été fait sur mesure par notre tapissier décorateur. Donc, on a trois matelas très épais, très confortables à l'arrière avec des coussins et un dossier. Le tout en finition identique au velours des fauteuils. Donc, bien évidemment, on n'avait pas une hauteur sous plafond qui est très, très importante. Donc, la seule possibilité pour nous, c'était effectivement de mettre une estrade la plus haute possible, tout en conservant une hauteur sous plafond minimale. Et si vraiment il se vautre derrière dans le canapé, il va devoir incliner un peu plus les fauteuils à l'avant pour permettre de voir l'image dans sa globalité. Mais quoi qu'il en soit, le confort est optimal. On est vraiment très très bien couché. Je vous montre ça tout de suite là, mais on est vraiment très très bien installé. Quand on se met là, on est vraiment dans les très très bonnes conditions. Alors bien évidemment, là je suis un peu excentré par rapport à l'image, mais si on est au milieu, le confort est juste incroyable. On a mis, comme vous l'avez vu, une estrade avec des marches, le tout éclairé avec des LED RGB qui sont synchronisés avec les LED périphériques de la pièce, donc avec un résultat qui est, comme vous l'avez vu, génial. On a mis également ici une petite trappe, donc ça c'est le gros avantage des murs en tissu tendu, c'est qu'on peut y intégrer également des trappes très très discrètes, donc ça nous permet d'accéder à la commande du moteur électrique de la porte coulissante, au cas où il y aurait un SAV un jour, mais bon. Après c'est le matériel professionnel qu'on a installé, qui devrait permettre de ne pas avoir à intervenir là-dessus. À l'intérieur de la salle, je vais vous montrer, mais on a mis un autre bouton, un peu plus classique, noir, qui se confond un peu dans l'ambiance très sombre de la pièce. À l'intérieur, donc Nico nous a fait une personnalisation au niveau de la porte. On a cette fois-ci pas d'encadrement jaune et noir. On a mis justement quelque chose de beaucoup plus sobre, qui n'attire pas trop l'œil et surtout ce qui nous permet de nous concentrer sur l'image et d'avoir quelque chose, une ambiance un peu plus sombre côté salle de cinéma. Donc comme vous l'avez vu, Julien aime bien l'ambiance un peu bleue, donc on a mis ici également un tissu bleu marine qui se marie très bien avec le noir qu'on a mis à l'avant de la pièce. Donc on a également mis une jonction légèrement en biais pour personnaliser un peu la chose. Tout ça bien évidemment combiné aux LED qui sont RGBW, qui sont bien évidemment géré avec le système de chez Control 4. Donc les LED, on peut vraiment mettre les couleurs que l'on souhaite, du vert, du bleu, du rouge, du couleur or, du couleur blanc chaud, hein, parce qu'on a mis du blanc chaud en white. On a mis également un extracteur d'air ici, ce qui permet vraiment de toujours ventiler la pièce correctement et d'avoir un air sain dans la salle de cinéma, même si on vient jouer 3-4 heures d'affilée. En tous les cas, le chauffage de sol pourra passer au travers la moquette et chauffer cette pièce pour avoir un maximum de confort et avoir cet esprit un peu cocooning, parce que comme je le répète souvent, dans une salle de cinéma, il faut qu'on ait chaud en hiver pour regarder un film dans des bonnes conditions. Donc je suis vraiment impatient de lire vos commentaires de cette salle, de cette playroom qu'on a fait 100% sur mesure pour Julien, vraiment sur le thème de Fallout. Donc vous, joueurs de Fallout, dites-nous ce que vous avez pensé de la décoration qu'on a mis dans cette pièce. Donc moi, maintenant, il ne me reste plus qu'à vous demander de vous abonner à notre chaîne YouTube, de mettre un petit pouce sur cette vidéo également, et bien évidemment d'activer la cloche, c'est très important.
Et moi maintenant, je vais prendre la manette de la PlayStation 5, me lancer le jeu Fallout en attendant que Julien arrive pour me montrer comment on y joue. Je vous dis à très très bientôt les amis.